Mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, c'est le moment de suivre la synthèse des journaux sur KLP TV. Et nous démarrons tout de suite avec la Fraternité qui nous annonce le départ de l'empereur Tchabi Naïna III et qui attend un communiqué de la Cour royale qui va publier le décès de ce personnage charismatique du peuple Batomour. L'empereur Tchabi Naïna a cassé sa pipe au Sénachi de Cotonou, rapporte Matin Libre. Le 40e roi de Niki était faible depuis un certain temps, au point de rater les festivités de Garni 2022, précise le quotidien. Tchabi Naïna a succédé à Sa Majesté Serou Rourar III, décédé en avril 2014 à l'âge de 102 ans. Fraternité revient pour nous annoncer le projet de construction des marchés urbains et régionaux, en plus des marchés modernes, des mesures d'urgence d'assistance aux sinistrés des inondations de 2022 sont prévues. Des milliers de sinistrés dans 40 communes vont être bientôt soulagés par le gouvernement, explique le journal. Le matinal a compté 12 marchés à construire. Le journal a aussi noté que le Fonds des arts et de la culture est dissous. L'économiste s'intéresse également au Conseil des ministres et précise que des marchés connaîtront des extensions portant le nombre total de chantiers à 16. Le quotidien n'oublie pas cette visite des investisseurs léonandaires au Bénin. Ils sont là depuis le 17 octobre 2022 et le climat des affaires du Bénin leur a été exposé selon la parution. Fraternité. Vivement les débats d'idées, car l'ennui actuel est pesant, précise le quotidien. La classe politique est devenue allergique au débat et préfère de loin les tournois de football et les dons de kits scolaires. Les monologues et les démagogies ne suffiront pas pour les convaincre. Il faut trouver des moyens d'emballer ces Béninois qui sont plus aguerris. Des Béninoirs qui traînent déjà les parts, par exemple, pour aller consulter les listes électorales provisoires. Alerte, mon confrère. Pas de panique, tempête, l'autre quotidien. Il y aura l'épuration de la liste électorale informatisée. L'ANIP a lancé un appel aux dénonciations des inégaux. Ce qui pourrait motiver les gens, indique Le Canard. Fin de cette synthèse des journaux sur KLP TV. Merci de rester fidèle à nos programmes.